Salut à toutes et à tous, c'est Mr. Firestorm. Et aujourd'hui, oui, vous voyez bien, vous n'êtes pas aveugle. Je vous présente mon premier gameplay sur Battlefield. En fait, c'est la première fois que j'ai juste de déballer les jeux depuis 5 minutes là. Et donc, je vous découvrir en temps groupe. Je pense que vous avez déjà découvert ce jeu dont tout le monde m'a parlé, qui a l'air vraiment, vraiment super. Donc, je vais tout de suite. On va tout de suite commencer. J'ai jamais joué à un Battlefield, je connais pas trop ce jeu. Ok. Ouais. Ça marche. Alors. Déjà, les graphismes sont nickel. On va juste changer la sensibilité. On va la mettre au max. Non, on peut pas mettre. Bon, je la suis pas. Non, je suis pas bien. Je suis pas fait à rond. Alors, on va bien voir. Bon, par contre, ce que donne ce jeu, j'espère que les amateurs de Battlefield vont être contents de vous présenter mon premier gameplay dessus. Je vais pouvoir vous en présenter un autre, bien sûr. Donc, on va déjà commencer par voir un peu les graphismes. Wow, ça pète, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je crois que je suis en MME. Oh, un petit gars là. Oh, j'ai tué un mec, je suis trop content. Right. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de prendre une... Ah, vas-y. Oh. J'ai pas trop compris là ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Ça marche. Ah non, faire quoi? Ah, il m'a tué alors. Ok, donc là je comprends pas trop ce qui se passe. On va passer par là. Non, pas voilà, d'accord. Bon. On va un peu explorer la map. Ça change de mana par 3 et 2, hein, bien sûr. Les graphismes sont franchement beaucoup mieux faits. La map a l'air d'être assez grande. Ça me plaît, ça me plaît. Pour l'instant, en première vue. Oh. Ah, d'accord. Bien compris, mais c'est pas grave. Non, elle m'a tué quoi, la M240. D'accord. Petit fil de coupe, là, il va me payer. Tout de suite, attends que j'arrive, un petit gars. Je vais me faire la peau. Un arc. Quoi? Un arc. Il paraît que les armes peuvent s'écrouler, c'est bon, quoi. Ouais, parce qu'il est à travers de vouloir. Allez. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je vais essayer de faire mon deuxième kill de ma vie sur Battlefield. Allez, toi là, va faire foutre, tu les écoutes. T'inquiète, je vais te choper, hein. Je vais pas t'en sortir comme ça, mais. Une pièce, on entre, y'a rien. Ok, super. Oh putain. Oh là 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 là. De merde, si elle veut bien se mettre cette sensibilité, parce que sensibilité 2 ou 3, voilà, c'est pas non plus un mur. Hein. Pas de réapparition obligatoire. Aléatoire. Oh, je suis toujours là. En fait, je sais même pas sur quel mot on est, comment elle s'appelle. Je sais même pas où c'est marqué d'ailleurs. Ah, en faisant select, on a. Oula. Oula, c'est quoi là? Oula là. C'est quoi, c'est un engin de l'espace? Allons à l'école. Bon, j'ai bien. En tout cas, je comprends pas trop. J'ai tout perdu là. Alors à droite, c'est quoi? Il y a les munitions, ma santé. Et à gauche, il y a ouais, c'est dans mon équipe, la mini carte. Il y a d'avoir un véhicule entre moi. Allez. Ou un tank, le petit. Bon. Moi, je serai là oui. Ouais. Attaque. En fait, je sais pas du tout en fait combien de temps les parties vont durer. Si vous pouvez me donner des conseils pour ce jeu, bah je les accepterai bien volontiers. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me bombarder de d'être. Ah, toi là-bas. Plus de plus. Je crois que je vais s'accroupir. Switch d'arme, il switch. Il court, il court, il court. Oh le spawn kill, le spawn kill. Le spawn kill, le spawn kill.
Et c'est volatilisé. Il est littéralement volatilisé. Vous n'avez pas bien compris. C'est qu'il m'a tué Trigbison, d'accord. Et en fait, comment on fait pour changer de classe? Je sais même pas comment on fait pour changer de classe. Il n'y a pas moyen de changer de classe. Ah si. Ah non. Ah si, j'ai une autre arme. Hein. Là, t'es en tête. Cool. Votre, je sais même pas combien de kills j'ai fait en fait. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Je sais pas si. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel jeu vous préférez. Donc, sur quel jeu le prochain gameplay que je peux faire, vous voudriez que ce soit. Soit sur un moderne, soit sur. Aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai Call of 4, Call of 5 aussi. Donc, je sais pas si vous êtes au courant. Donc si vous voulez, je peux faire un gameplay dessus. Ah ah, toi mon petit gars, je crois que ça sort comme ça. Ah, ah, t'as bien mangé toi, hein. T'as bien mangé. Franchement, là, depuis que j'ai commencé, ce jeu, je le kiffe. Hein. Pour parler comme un petit coup lol, c'est mon kiff ce jeu. Je kiffe bien les maps. J'aime bien la façon... Les détails sont stylés. Les armes, elles sont moins cheatées que dans moderne. C'est moins facile qu'un ennemi. Justement, ça rend le jeu plus attractif. Donc là, je vais quand même essayer d'avoir un score positif avant la fin de la partie. Donc on va passer de là où il y avait le petit campeur d'avant. De toute façon, je vais en sensibilité 2. Voilà. Pas non plus. Oh. Allez. Allez, go. Allez. Donc d'après la mini carte, tu sais, c'est une grande avenue. Tu peux tomber là, non? Donc c'est bien entendu, hein, comme vous l'avez remarqué, j'espère que vous n'êtes pas vu, c'est un gameplay qui montait en live en fait. Donc là, je suis en train de découvrir en même temps vous, pour ceux qui n'ont pas encore vu la map. Enfin, ceux qui ont vu. Hein. Oh, oula! Qu'est-ce qu'il y a en vue? C'est quoi là-bas? C'est quoi ce truc? Ok, j'ai pris le truc et je me suis fait tuer. Sympa. Sympa. En fait, j'ai plus sur le carré, mais sympa. Hein. C'est un peu chiant, ça, qu'il nous montre à chaque fois qui c'est qui nous a tué. Sans... Ah! Ta santé, en fait, c'est pas comme dans Call of. Ta santé, en fait, t'as ta santé. Et quand tu tires dessus, rien, ça se régénère pas, en fait. Parce que je vois. Enfin, je vois. Je sais pas du tout. De toute façon, je vais éclaircir ça dans les prochaines heures, là, parce que je vais le fumer ce jeu, comme on dit. Il est à nous ou pas lui? Oh! Je suis un fou! Oh! Qui me tire dessus? Putain, mais je suis une vraie merde en fait. Hein. Je suis une merde en boîte quand même. Je suis vraiment nul. Bon, en même temps, c'est un jeu que j'ai pas trop joué en fait. Mais en fait, y'a rien pour un sniper pour voir à quoi ça ressemble. Ça serait mieux, ça c'est... Oh! Assise d'as! Ok. Ça se fait? Oh, magnifique! Ah non, c'est bon, mais... Quoi? Du très génie! Pour les secours! Cours! Putain, mais y'a personne, hein! Y'a vraiment personne! Il y a beaucoup moins de bordel que si je peux encore comparer que dans Call of, il y a beaucoup moins de bordel, c'est plus calme. Allez, je vais tenter un petit noscope across the map. Switch d'arme. Noscope 360. Sensibilité 2. Oh, petit marqueur. Allez. Faut que je trouve des gens un peu là, j'ai quand même pas finir sur un score comme ça. En fait, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de véhicules. C'est quoi ça? Je suis dedans. Eh, bien, attends-moi! 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 Putain, ça y est pas. Score. Okay. Est-ce qu'il y aurait moyen de changer d'arme? Parce que là, le snipe. Voilà.
Ouais. Allez, go! J'ai trop bien compris ce qui se passe là. Fond de la maison du 14, oui, je t'ai dit. Menu, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Soutiens-moi. Bon bah les amis, je crois que je vais vous laisser sur cette image déplorable. J'en ai bien peur là parce que ça commence à me casser les couilles. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Point de réapparition. Ah attends, ouais, oui, j'ai fait 3. 3, c'est déconné, qu'est-ce que j'ai fait, 3, 3. Oh. Ah, ce. Ah, ok, c'est ça les gars. Et là, d'accord. Là, c'était ingénieur, soutien. Je savais même pas que ça existait, ça. Assaut, ingénieur, soutien. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, bref, j'espère que ce petit bout de gameplay, parce que là, je suis un peu coincé, vous a bien plu. Je suis sûr, de toute façon, de refaire des gameplays sur ce jeu. Il me tient vraiment à cœur, là. Là, ce qu'il va nous démontrer me surprend. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer les vidéos, ça je vous l'ai déjà dit. Donc il y a plein de projets que j'ai en préparation, comme des fun movies, des parodies, des top 10 skips, enfin des top 10 frags. Donc sur ce, je vous dis bah, à la prochaine et ciao les gens.